Bonjour et bienvenue dans IDFM chez vous. Cette semaine, je suis à Saint-Germain-en-Laye. Et là, je suis avec le directeur du festival, l'Estival, qui s'appelle Marc Pfeiffer. Oui. Alors, c'est très éclectique. Vous avez, c'est un choix précis d'être éclectique, je veux dire. Oui, absolument. On veut que ce soit un festival des musiques et ne pas être coincé dans un secteur musical. D'accord, très bien. Alors, avant que le jeune derrière là, se fâche avec moi, il ne s'appelle pas seulement Alex, il s'appelle... Alex et sa guitare. Alex et sa guitare, et on sa a compris guitare, ouais. Alex et sa guitare. Et ça c'est Yor. Et maintenant Yor, parce que Yor il va participer cette année, on le met dans l'eau. Allez, un deuxième morceau, s'il vous plaît, Yor. À 15 ans, je fis mon premier coma éthylique. J'ai rendu dégueulé, vomi ce que j'ai bu. Je peux pas dire que ce soit un souvenir idyllique. J'aurais probablement pas bu si j'avais su. Il faut dire qu'on n'a pas arrêté de picoler. C'est pas de ma faute à moi, y avait pas d'entraînement de volet ce soir-là. Donc on l'a remplacé par une activité inventée sur l'instant. Et puis, ce mésaventure, je sais vraiment pas pourquoi. On m'appelle Joe Abyssin. C'est pas très sympa. J'ai mélangé cognac, whisky, rhum et vodka. Gin, armagnac, porto, calva, bière et clairette. Bourbon, pastis, grappa, un peu de tequila. Et j'en oublie sûrement, merci les mignonnettes. Je me souviens plus de rien, je suis tombé dans le coma. Même ce que j'ai disé, on me l'a raconté. Mes potes ont tout fait pour me faire revenir à moi. Des sauts sur la gueule, des coups de torchon mouillés. Et puis... je sais vraiment pas pourquoi. On m'appelle Joe Labiture. Allez, Joe Labiture. C'est pas très sympa. Merci Yor. Merci Alex et la guitare. Merci beaucoup. Merci Marc. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir.